qui est dans le pays États-Unis a avancé à grands pas, mesdames, messieurs. Et je connais déjà réalisé une grande campagne lors de préparation de l'élection. Eh bien, c'est un élément essentiel pour que un candidat arrive à remporter l'élection, mesdames, messieurs. Parce que c'est à travers la campagne ça que le candidat lui-même va le faire, qui va permettre que le public là ait une connaissance de qui ça que le candidat lui-même va faire pour le peuple là. C'est à travers la campagne ça également que le candidat lui-même va aider le peuple à découvrir qui est-ce que lié, côté le sorti, qui prend le pays. Eh bien, campagne là, mesdames, messieurs, c'est un élément essentiel pour candidats sous plusieurs façons. Eh bien, ce n'est pas pour sans raison qui cause que Joe Biden, qui est actuel président pays États-Unis, lui décide de camper derrière Kamala dans l'idée pour capable fortifier campagne Kamala Harris là et puis tenter de convaincre plus de monde pour aller supporter Kamala lors des élections qui viennent là, mesdames et messieurs. Eh bien, je quitte lundi, c'est après une occasion pour que l'actuel président pays États-Unis, qui c'est M. Joe Biden, pour qu'il soit capable d'accompagner Kamala encore une fois de plus, eh bien, notre idée, mesdames et messieurs, eh bien, c'est pour être capable de collaborer ensemble avec lui, et puis notre idée pour être capable de bourrader pour faire route pour Maison Blanche, mesdames et messieurs. Et je connais déjà, Joe Biden pas loin pour arriver dans le fin mandat, mandat qui a fini, et l'État souhaitait que pour l'Ouest, cette team, Harris Walls, là, pour assurer la continuité, et que tout ça a commencé à accomplir pour l'Amérique, pour le peuple américain, t'a continué, et pas de un qui détruit, pas de retour qui fait sur le passé. C'est comme ça que Joe Biden, qui est président pays États-Unis actuel, là, lui-même, lui, ouais, bah, eh bien, c'est pour raison ça qui pose que dès le départ, l'idée dit que l'idée pas faire une seule sortie avec Kamala, mais c'est plutôt plusieurs sorties que l'a réalisé et que l'a baissé supopal, chance à douer, et que pour capable assurer que Kamala fait continuité dans le pays États-Unis comme étant président pays ça. Côté que Biden avec Harris, il a pas profité de l'occasion fait travail dans le pays États-Unis qui devait célébrer le jour qui était lundi, pour qu'il était capable de tenter de convaincre quelques électeurs, classe ouvrière là, avec un événement qui était organisé dans un syndicat local. Et bien, mesdames, messieurs, c'est après une manifestation symbolique dans une ville que Biden lui-même choisit dans quelques moments importants dans la carrière politique. Li. Et président Joe Biden a déclaré avec journalistes que il était vraiment impatient après 2 semaines de vacances que il était gagné pour qu'il était capable d'entamer la campagne là avec Madame Harris. C'est ça que Joe Biden même a déclaré. Ça veut dire que si on bagaille l'a fait avec tout cœur, l'a fait tout sang pour que victoire lui-même est capable d'assurer par le côté par camp démocrate. Et ça va camper là, mesdames, messieurs. Côté que Joe Biden lui-même, pour ces prochains jours qui viennent là, il va aller pour rendre dans quelques états clés avec Kamala Harris. Parmi les états, on est capable de citer Pennsylvanie, Wisconsin, Michigan. Eh bien, l'État Sayo, c'est quel État clé qui est capable d'aider Kamala Harris pour remporter l'élection, mesdames, messieurs. Côté que Joe Biden, il est prêt pour visiter l'État New Blue, côté que il était gagné légèrement Donald Trump dans l'élection qui était faite dans l'année 2020, mesdames, messieurs. Eh bien, Joe Biden, il est prêt à aller dans l'idée, non seulement pour organiser quelques événements officiels, et également il est prêt pour accompagner Kamala Harris juste pour être capable de faire campagne ensemble avec lui. Côté que Joe Biden peut profiter de l'événement ça pour présenter le peuple américain ça que l'été arrivé réaliser pendant mandat là et quelques bagages arrivé pour finaliser pendant si tant que l'été était pour passer sous pouvoir. Et n'a pas pour que le fait que Joe Biden lui-même, Pennsylvanie, c'est état origine nickelé, eh bien, allié lui-même espérer que capital politique est capable d'aider Kamala Harris dans la zone ça qui c'est Pennsylvanie. Et bien, Josh Shapiro, qui c'est un homme que Kamala Harris lui-même l'était nommé pour devenir vice-président, mais malheureusement, ce n'est pas lui-même qui était élu, c'était Tim Walz. Mais Josh Shapiro lui-même, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas toujours campé derrière Kamala Harris. Josh Shapiro toujours porté support lui. Et Joe Biden a déjà annoncé avec le gouverneur pennsylvanien, qui c'est Josh Shapiro, que pour avoir une tournée qui t'a supposé faite dans l'État ça.
Parce que pour Joe Biden, l'État, ça, c'est un État clé, c'est un État que Kamala Harris, même l'État, doit bien contrôler pour l'élection qui va venir là, mesdames, messieurs. Je ne connais déjà pas manquer trop de temps pour que l'élection arrive à démarrer pour capable de mettre un nouveau président dans le mois de janvier qui va venir là, dans le pays, États-Unis, mesdames, messieurs. Pas oublier, abonnez-vous avec la chaîne là, si vous ne faites pas ça, et activez la cloche de notification, il y a une façon pour capable de recevoir une alerte à chaque fois que vous postez une nouvelle vidéo. Et pas oublier, vous capable de cliquer un like sous vidéo ça, yon façon pour capable de faire sentir que le travail là, lui-même, lui, rivé sous, lui, utile. Et partager, yon façon pour capable d'aider, yon l'autre monde informé. Course pour élection 2024 là, mesdames, messieurs, lui était extrêmement sérieux. Côté que Donald Trump, lui rivé dans un moment côté que, lui regrette que c'est pas Joe Biden lui-même qui te prend place Kamala Harris là. De fait que Kamala Harris lui-même, pour chaque que la pesée dans la balance, eh bien, Trump a tout problème qui existait. Menacé pour que l'État fait fraude si fois que c'est perdu. Eh bien, situation compliquée pour Donald Trump. Non, moins que n'a parlé là, mesdames, messieurs. Élection, il y a un pile suspense là-dedans. Il est vraiment sérieux, mesdames, messieurs. Eh bien, de fait que l'élection n'a pas manqué trop de temps pour que l'État capable de arriver, ça veut cause que, pas beaucoup de pas quand démocrate, c'est motivation qui a fait plus. Et pas beaucoup de pas républicain, c'est motivation qu'a fait notre idée pour capable tenter de convaincre plus électeurs pour élection qu'a venu là. Donald Trump lui-même, il trouvait que Kamala Harris a barré chemin pour lui, pour être capable de faire route pour Maison Blanche. Il voulait à tout prix pour lui remporter l'élection, ça, mesdames, messieurs. Et dans l'élection 2021, n'a pas connu que l'État, ça même, qui c'est Michigan, que nous avons parlé là, qui c'est un État clé dans l'élection, pour que le candidat lui-même arrive à remporter l'élection. Eh bien, Michigan, c'est un État qui a aidé Joe Biden pour que lui remporte l'élection dans l'année 2020, mesdames, messieurs. Et dans le moment où on a parlé là, Kamala Harris déjà a tenté de contrôler l'État. Ça. Et ça a arrivé que dans l'élection 2024, là, encore une autre fois, que la situation lui-même a basculé dans les républicains, mesdames, messieurs. Et bien, président brésilien qui c'est Luiz Inácio Lula da Silva, il a exprimé soutien à candidat démocrate là qui c'est Kamala Harris. Et il fait connaître que l'État souhaitait ouais, que c'est Kamala Harris qui a remporté l'élection comparativement avec Donald Trump, mesdames, messieurs. C'est comme ça que le président brésilien lui-même a souhaité pour que l'élection lui-même ait fini, pour que victoire lui-même ait allé en faveur de Kamala Harris. Candidat démocrate là qui c'est Kamala Harris. Les pages qui étaient en au hasard dans l'idée pour capable succéder à président Joe Biden, mesdames, messieurs. Kamala Harris lui-même, il apprend pour gourmer, mais il pas apprend pour le plaindre. Comparativement avec Donald Trump lui-même, c'est plaindre que de temps en temps la plaie de plaindre, disons c'est le bagage qui parle même bien sens. Et bien, Kamala Harris, lorsque la fait campagne, projet pour le peuple là, c'est lui-même qui mettait devant le peuple là, pour dire peuple là, mais ça veut réaliser pour lui, mais qui ça t'a souhaité pour l'avenir. Eh bien, c'est comme ça que Kamala Harris lui-même l'a fait juste pour être capable de tenter de convaincre le peuple. Mais ce n'est pas plein, la plein par le peuple. Et c'est pour raison ça qui fait que, il y a un pile électeur qui vient de convaincre par Kamala Harris, surtout après l'interview ça que l'été arrivé réalisé dans CNN, et bien, façon que le parler, façon que le tenter de convaincre le peuple, sous qui plan que le gagne, quel que soit le projet Kai, pour descendre pour Kai, pour descendre pour manger, accès soins santé, et bien, tout ça, yo, c'est eux-mêmes qui est l'élément essentiel qui fait point fort campagne Kamala Harris là. Mais ce n'est pas plein que Kamala Harris même l'a plein. Que non plein, peuple là pas tiré en main, non plein qui va plein. Non plein, peuple là, au contraire, c'est retiré qu'il y a retiré quoi au sous. Il y a pour que c'est qu'on est que ou pas qu'on est qui ça va faire. Mais leur candidat, point essentiel là, c'est prouver peuple là qui ça que vous gagnez dans le chat pour vous, qui est ce qu'il est et qui ça vous a souhaité. C'est ça lié. Tu as même gain en pile information qui t'a fait croire que Kamala Harris c'est à des naissances l'Israël, les papes qui participent dans la course présidentielle là, que c'est Jamaïcain lié. Tout ça, yo pas chita sous un yin pour bail Kamala Harris problème dans la course pour Maison Blanche. Ça, t'est déjà répété dans l'année 2008, lorsque Barack Obama lui-même lui t'a posé candidat sur lui, lorsque Barack Obama lui-même lui t'a fait campagne pour que lui t'a capable de venir premier noir qui dérive président pays États-Unis. Ce n'est pas un bagage qui passe pour la première fois. C'est un faux document que lié. Pas aucune réalité dans ça qui t'a fait croire que Kamala Harris a retiré la course là
à cause de l'acte de naissance que le gagné, qui c'est acte de naissance jamaïcain, etc. Ça n'a pas pesé rien, ça n'a pas empêché Kamala Harris rien pour qu'il soit capable de réaliser rêve et puis marquer l'histoire dans le pays, États-Unis.